C'est Lorraine et aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo de sneak peek d'un Diamond Painting que Diamond Art Club m'a envoyé. Donc merci beaucoup Diamond Art Club de m'avoir envoyé ce DP à présenter sur la chaîne. Donc ça c'est un DP que je vous présente en avant-première avant sa sortie sur leur site. Je vous mettrai les détails à l'écran maintenant au niveau de la date et des heures de sortie. Et je le rappelle, comme dans toutes les vidéos de sneak peek, que sur le site de Diamond Art Club, quand vous créez un compte et quand vous commencez à faire des achats, vous pouvez avoir des points. Et éventuellement, en fait, vous atteignez un statut de rubis ou diamant. Et ça vous permet d'avoir les DP un peu plus tôt par rapport au public général, en fait. Donc voilà, vous avez toutes les informations à l'écran. Et aujourd'hui, on va regarder un diamond painting qui est en diamant carré. On le voit grâce à ça, comme d'habitude, quand c'est rond. C'est un DP en diamant rond, pardon. Ça, c'est rond. Et alors, celle-là, j'ai vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment hâte de la voir avec vous. Ça s'appelle Bathroom in Paris de l'artiste Olga via Artbeat Studio. Et regardez cette image. Elle est trop belle, je l'adore. Donc on voit définitivement la tour Eiffel qui est là. Il y a une femme, une femme que j'assume dans un bain avec un verre de vin et en train de lire. Il y a un chien beige qui me fait penser à Luna. Donc je pense que c'est une femme parce que là on voit les pantoufles roses et tous les détails autour. Elle est trop belle. J'ai vraiment hâte de voir comment ils ont converti ça. Donc comme je l'ai dit, diamant carré, c'est square. La taille, c'est du 98 par 70 cm. On a la taille aussi en pouces. Et on a le numéro de modèle. Et ça nous dit qu'il y a des AB. Donc, comme d'hab, à l'arrière, on a les instructions qui nous expliquent comment faire du DP. Et un petit texte qui nous explique qu'est-ce qui est contenu dans le kit. Alors, on a un toolkit qui est juste là. Comme d'hab, la petite feuille autocollante et le DP. Ouf! C'est lourd, hein. C'est lourd. Alors, le DP et les diamants, ils sont là. Donc, la feuille autocollante, c'est celle-là. Il y en a deux, il va y en avoir une après. Ça a le nom de l'image, le nom de l'artiste, le type de diamant et la taille. Et vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Moi, je le mets sur cette partie-là de la boîte, juste là, parce que je les empile. Donc, du coup, ça me permet de voir rapidement l'image du DP en fait que j'ai dans cette boîte. Ensuite, le toolkit, donc je le répète comme dans chaque vidéo aussi, si vous achetez les nouveaux, les DP qui sortent le samedi, il est très probable maintenant que vous ayez un toolkit comme ça. En revanche, si vous fouillez sur le site et que vous achetez un DP qui est sorti il y a pas mal de temps, ça se pourrait que le toolkit soit un petit peu différent. Qu'il n'y ait pas de washi tape ni d'aimant. Oh, mais il est trop beau l'aimant là-dedans. Je crois que je ne l'ai jamais eu celui-là. Et n'oubliez pas aussi que si vous achetez ce kit, ça se pourrait que vous ayez un washi tape différent de celui-là et un aimant aussi différent de celui-là. C'est une petite licorne, je ne l'ai jamais eu. Alors, ça là, on a les sachets refermables, la pince, la cire. J'essaie de tout mettre dans l'ordre. Voilà. Alors, stylet, il est là, vert. On a la petite mousse pour mettre autour. Ah, là, je suis arrivée à bien le rentrer. Vous voyez, donc vous pouvez mettre la mousse autour pour que ça soit plus confortable. Et vous avez des embouts multiples. Pardon, il y en a un de 4 et un de 7. Moi, j'adore celui de 7. Je l'utilise très souvent si je n'utilise pas celui en métal. Donc, vous les rentrez là et ça vous permet de mettre la cire et de mettre plusieurs diamants à la fois. D'ailleurs, la cire, elle est là-dedans, dans un petit contenant. Il y a deux morceaux en forme de cœur. Voilà, n'oubliez pas d'enlever le plastique. Et on a le plateau dans lequel vous allez mettre vos diamants, en fait, pour faire le DP. Voilà, donc c'est un plateau de bonne taille. Et il y a un stopper qui est juste là, que vous pouvez mettre ici en fait. Donc une fois que vous mettez vos diamants dans le plateau, vous pouvez mettre ça. Comme ça, quand vous agitez, les diamants ils vont pas de partout. Dans les kits avec des diamants carrés seulement, ils vous donnent des pinces pointues. Voilà. On a aussi des sachets refermables. Donc ça, vous faites ce que vous voulez avec. Il y en a qui transfèrent leurs diamants des ribambelles au sachet refermable ou il y en a qui rangent le reste là-dedans. Et ensuite, donc, ce qu'on a en plus dans cette toolkit-là, c'est le washi. Je vais vous montrer tout à l'heure comment l'utiliser. Il est beau celui-là. Je crois que je ne l'ai jamais eu. Regardez, c'est comme des petites fleurs là, sur un fond bleu. Il est très joli celui-là. Et l'aimant, c'est la petite licorne.
Elle est trop mignonne. Et c'est ça, je pense pas l'avoir celui-là. Donc vous voyez, il y a un aimant à l'arrière. Je vais vous expliquer dans quelques minutes comment utiliser tout ça. Alors, la toile. On est tous et toutes intéressés de voir ça. Donc je vais ouvrir le sachet en plastique. Ah, de temps en temps, je le casse malheureusement. Ok, là, ça va. Là. Et je le rappelle qu'avec Diamond Art Club, ce sont des DP, pardon, qui sont en colle coulée. Et l'endos de la toile est très, 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 très doux. Vous voyez, c'est tout, tout doux. C'est tout fini sur les côtés. Et il y a des petits trous là qui évitent que la toile, elle s'effrite. Donc, ce sont des toiles qui sont de très bonne qualité. Moi, j'adore. On le regarde dans ce sens-là. Il y a 79 couleurs là-dedans. Ça va être un monstre. Oh my God. Alors attendez, mais qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez rien. Enfin, vous voyez rien. Vous voyez pas assez, c'est ça que je veux dire. Voilà, je pense que ça va être bon là. Peut-être que je roulerai la toile dans le sens inverse si je vois que ça ne s'aplatit pas assez rapidement. Mais oh, j'avais même pas remarqué qu'il y avait un animal là sur le côté. Regardez cette conversion. Oh my God, mais elle est belle. Elle est trop belle. Alors attendez. Waouh. Oh my God, mais ouais, elle est magnifique. Elle est sublime, cette toile. 79 couleurs. Les diamants, mais je ne vais jamais arriver à les remettre là-dedans. Regardez ce paquet de diamants. Je ne sais pas combien de kilos ils pèsent, mais ouais, il y en a des couleurs là-dedans. Bon, on les regardera tout à l'heure. Je vais mettre là pour essayer d'aplatir la toile, hein, et vous présenter ce qui est contenu en fait dans un kit. Si vous achetez un kit chez Diamond Art Club, donc vous avez un petit fascicule. Je vais juste, voilà, avancer comme ça. Fascicule qui vous dit merci de Angie. Angie, c'est la personne qui a fondé Diamond Art Club. Et ils vous mettent un petit texte juste là pour vous expliquer qu'est-ce qui est contenu dans le kit. Donc, vous avez le texte là-dessus, vous avez du texte sur la boîte. Il y en a un petit peu de partout. Ici, il y a le lien vers une vidéo que Diamond Art Club a fait et qu'ils ont mis sur YouTube qui vous explique comment faire du DP. Ils ont aussi créé un groupe VIP Facebook, vous pouvez scanner ça, mais je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos si vous souhaitez vous joindre à nous. Mais il faut être client chez Diamond Art Club, donc il faut que vous ayez acheté au moins un DP. Et vous voyez un petit peu de tout dans le groupe, donc c'est cool. Des DP en cours, des DP finis, des DP que les gens reçoivent, il y a de tout. Là, il y a les instructions qui vous expliquent comment faire le DP en 6 étapes. Et qu'est-ce qu'on a là? Les conseils et les astuces. Voilà. Il y a un petit code de 10% sur votre prochaine commande. Et là, vous avez les liens vers les téléphones Android et iPhone. Et ça vous donne aussi 20% sur votre première commande via les applications. Donc voilà, ça c'est un fascicule que vous recevez à chaque fois que vous recevez un DP en fait. C'est mis dans chaque boîte. Alors bon, étant donné qu'on a 79 couleurs dans ce DP, ils ont mis ça sur deux fiches. Donc, vous voyez, on a des couleurs de 1 à 67 là, 68 à 79 ici. Donc, qu'est-ce qu'ils mettent sur ces fiches qui sont là? En fait, ils vous mettent le nom de l'image, le nom de l'artiste. Vous pouvez mettre votre date de début et date de fin. Et on a l'image là. Voilà. Et l'image que vous voyez juste là. Bon, on est zoomé quand même, hein, là. Mais ouais, regardez, elle n'est pas trop belle cette image. Mais ouais, je n'avais même pas capté, mais il y a un chat là en fait. Il y a un chat et regardez tous les détails là. Elle est juste magnifique cette toile. 98 par 70, on a encore le numéro de modèle qui est juste là. Donc vous avez vu, on a le numéro de modèle un petit peu de partout. Et il se retrouve aussi sur la toile, juste là en fait, on a le numéro de modèle. Et on l'a aussi sur les diamants. Juste là. Donc voilà, si vous gardez tout séparément, ben, c'est facile à retrouver. Et je le rappelle que tout ça c'est autocollant, donc vous pouvez détacher et coller ça par exemple dans un cahier de suivi. Et vos symboles sont détachables en fait, vous voyez? Voilà. Donc, est-ce qu'ils ont coupé au milieu là? Ils ont coupé un petit peu au milieu, c'est dommage.
Juste là. Ok, peut-être que je ferai un retour à Dame & Art Club au niveau de ça. Parce que ouais, ils ont coupé au milieu. Bon, peut-être que c'est juste dans ce kit, je sais pas. Je sais pas, mais bon. C'est ça, c'est tout détachable. Mais j'ai l'impression qu'ils sont. Peut-être celui-là, il n'est pas décalé. Ouais, ok, c'est les premiers sur lesquels on a un problème en fait. Ah mince, il y en a un qui est parti. Alors attendez, je vais le remettre. Je ferai un petit retour à Dame & Art Club en leur disant que les symboles ont été coupés en plein milieu. Voilà. Alors, c'est ça. Donc je disais, donc le nombre de couleurs, on l'a vu. En deux, c'est les symboles. Deuxième colonne, les symboles que vous retrouvez sur la toile. Et le troisième, c'est les codes DMC qu'on retrouve sur les sachets de diamants. Vous voyez, 355, 754. Et ils utilisent une variété de symboles. Sur leur toile, on a des chiffres, on a des lettres et on a des petits dessins. Donc je vous montre les symboles qui sont utilisés sur cette toile. Il y a des symboles que j'ai jamais vus avant. Je crois que celui-là, je l'ai jamais vu avant. Et on a ça sur cette fiche. Voilà, donc vous voyez, tout est bien imprimé. Tout est beau. Donc en fait, vous avez cette feuille, cette partie-là, elle vient en double. Donc c'est cool ça. Moi, il y en a une du coup que je vais vous montrer en vlog quand je commencerai à travailler sur cette toile. Et l'autre que je risque de mettre dans un cahier de suivi du coup pour mettre les notes. Les notes durant le temps que je travaille sur le DP en fait. Donc ouais. Voilà au niveau de ça. Donc je pense que je vais passer à travers ça au complet. Et on peut regarder la toile maintenant. Donc, je vais juste pousser les diamants. Il va falloir que je. Ben, je ne sais pas si je vais dézoomer maintenant ou après. Mais juste pour vous présenter la toile vite fait, pour ceux qui ne connaissent pas les DP de cette marque. Donc, je vais juste monter un petit peu la caméra. Donc, vous voyez, on a un slogan là. Donc, si vous voyez ce slogan sur les réseaux sociaux, Do What Makes You Sparkle, ça veut dire que c'est du Diamond Art Club. Il y a une légende ici en haut à gauche qui contient toutes les informations qu'on vient de voir. Légende en bas à droite, ben en bas, ouais, elle fait presque toute la longueur. Donc vous voyez, toutes les informations qu'on vient de voir. Oh, ça c'est juste un petit morceau, c'est pas grave. Ensuite, on a la garantie. Donc si vous achetez votre DP directement sur le site de Diamond Art Club, vous avez une garantie. Donc si vous avez des problèmes, je vous invite à les contacter directement. En plein milieu, il y a le lien vers leurs réseaux sociaux. Donc, si vous voulez voir les toiles qui sortent toutes les semaines, tous les samedis, ils les annoncent sur Facebook et Instagram. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Il y a un 10% là vers, ben, sur votre prochaine commande, je devrais dire. Et là, en bas à gauche, on a toutes les informations à propos de la toile. Donc, on a le numéro de modèle, le nom, les dimensions et ce qui est important avec le DP, c'est la licence. Vous voyez d'ailleurs, ils disent licensed. Donc, Diamond Art Club, ils contactent les artistes. Ils ont le OK des artistes pour convertir leurs images en DP. Et les artistes sont aussi payés en fait sur chaque vente. Donc, ça, c'est bien. Donc, on voit qu'ils l'ont licencié à travers l'agence MGL. Et il y a marqué Artbeat Studio. Mais il y avait marqué sur la feuille que ça venait de Olga. Juste là. Ça, c'est le nom de l'artiste. Voilà. Voilà toutes les informations et comme je vous l'ai dit, bon, ce sont des toiles toutes douces, c'est de la colle coulée. Donc peut-être que tant que j'ai la toile là, vous savez quoi, je vais vous montrer comment utiliser l'aimant et le washi. Donc, quand vous enlevez la fiche en fait, pour travailler sur votre DP, pour la maintenir comme ça, vous pouvez utiliser l'aimant parce que de temps en temps, ça se rabat. Donc l'aimant, c'est simple, vous enlevez ça, que vous mettez en dessous de la toile, ça au-dessus. Donc, vous voyez, ça s'est attaché. Et du coup, ben, votre fiche, elle ne bouge pas. Elle reste vraiment comme ça le temps que vous travaillez sur votre section. Donc, je vais enlever ça maintenant que je vous ai montré comment l'utiliser. Et le washi tape, vous pouvez l'utiliser de différentes manières. Donc, soit vous pouvez le mettre sur le bord du DP. Il y en a qui le mettent, comme moi, sur le bord de l'image parce qu'il y a toujours un petit excès de colle qui dépasse. Et pour ne pas avoir de la poussière ou des poils qui s'accumulent sur cet excès, vous pouvez mettre du washi tape. Ou vous pouvez mettre votre washi tape sur cette feuille autocollante, pas autocollante, pardon, sur la feuille plastique pour délimiter des sections. Je montre très souvent en vlog comment je fais ça. Donc voilà. Voilà deux utilisations du washi tape.
Alors maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va regarder la conversion de l'image. Je vais juste essayer de tourner ça un petit peu. Voilà, je pense que là c'est bon. Elle est plate. Donc je vais dézoomer. Alors là voilà. Je lave un petit peu pour pas que vous voyez le reflet. Quoique ouais, il est pas si mauvais que ça le reflet aujourd'hui. Il y en a un petit peu là. Mais regardez cette conversion. Elle n'est pas magnifique. Je l'adore. Alors, je reprends l'image originale. Donc, c'est ça que je disais. J'étais vraiment étonnée parce qu'il y a un chat là. Regardez, il est juste là. Ensuite, ben, la femme dans son bain avec le verre de vin, le livre. Ben, je veux dire, on lit ça très bien. On voit super bien la tour Eiffel avec tous les détails sur le balcon avec les fleurs. Hein. Vous voyez ça? Bon, le chien qui me fait penser à Luna du coup. Les pantoufles. On a ici un espèce de petit panier qui est juste là. On a des trucs qui sont pendus là et des trucs sur les étagères. Il y a même une tapisserie. Vous voyez, la tapisserie, on la voit bien aussi. Ils l'ont bien converti. Hein. Donc, ouais, les trucs qui pendent des étagères. Le chandelier. Là, c'est comme une espèce de vanité. Donc, ouais, on voit tout là. On voit même les fleurs. Vous voyez ces fleurs-là qui sont là. Le tableau. Qui est, ben, on dirait une fille, en fait, avec un parapluie ou un parasol. Et ben, franchement, on voit que c'est ça, quoi. C'est hallucinant, ce truc. Là, on voit quelque chose qui pend, comme ici. Et là, sur la table, on voit un bouquet de fleurs avec des lumières, des bougies. Mais c'est parfait, en fait. Elle est tellement, mais tellement belle. Et j'avais tellement, mais tellement hâte de la voir. Je sais pas combien de fois j'ai répété tellement, mais ouais, je l'aime énormément, cette image. Oh my god, elle est belle. Elle est magnifique même. Donc ouais, voilà au niveau de la conversion. Du coup, j'ai vraiment hâte de la faire. Je vois qu'on voit même l'eau et les détails dans l'eau là. Mais ouais, c'est un monstre. Hein. 98 par 70, c'est grand. Pour ceux qui ne se rendent pas compte, voilà ma main posée dessus en fait. Ma main fait presque la taille du chien. Ou le chien fait presque la taille de ma main. Donc, ouais, c'est grand. C'est grand. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on va regarder la qualité des symboles, juste pour que vous voyez ça. Alors, là, voilà. Donc, là, vous voyez comme deux symboles. Je vais vous montrer différentes couleurs. Comme ça, vous allez voir que, normalement, avec Damon Art Club, tout est bien. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si jamais il y a des problèmes, je vous invite à les contacter directement. Là. Là, on est encore dans le bleu. J'essaie de déplacer, mais en même temps, la toile, elle est tellement grande. Je peux aller dans le vert. Je me déplace doucement, doucement, vers le vert, juste là. Vous voyez, tout est beau. Là, on est dans les fleurs. Tout est bien, bien, bien imprimé. Alors là, je vais aller juste là. Vous voyez ça, le 5 en plein milieu? Ça, c'est ce qu'on appelle dans le DP du bloc. Parce que c'est le même symbole qui est répété sur une section qui est plus large. Et ce qu'on appelle confetti, c'est là où vous voyez, par exemple, vous voyez le cœur, le Y, une espèce de petit arbre. Ça, c'est ce qu'on appelle du confetti. Donc, je vais parler de ça maintenant. Je vais reposer la toile. Et du coup, on va perdre un petit peu la mise au point parce que je vais encore dézoomer. Voilà. Pour que vous la voyez complet. Et parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas travailler sur que du bloc. Ou il n'y a pas des gens qui aiment travailler que sur du confetti. Donc, généralement, je parle de ça en vidéo. Alors, je remarque la partie qui est en haut, là. Tout ça, là, c'est du bloc. Il y a pas mal de blocs aussi dans ces parties-là et beaucoup de lignes en fait. Donc vous voyez le tour de la fenêtre, c'est que des lignes et du bloc. Donc ceux qui aiment utiliser le multiplaceur, vous allez adorer ça. Le rideau, c'est que du bloc et des lignes. Dans l'immeuble qui est là, parce que là, ben, il y a un immeuble, c'est que des lignes. Le chat, c'est du confetti. Le livre, c'est que des blocs et des lignes. Donc, il y a beaucoup de blocs et de lignes dans ce DP. Dans cette section-là aussi, dans tous les éléments qui sont là, il y a beaucoup de lignes. Le confetti, on en retrouve un petit peu dans les fleurs qui sont là, dans la verdure qui est là, et dans la tour Eiffel. Bien que la tour Eiffel, elle a des petites, petites lignes. Et ensuite, on passe au niveau du côté droit de la toile avec tous les éléments. Donc, les pantoufles, ben... ce sont des petits blocs. Le petit chien, c'est un mélange de blocs et de confettis.
Là-dedans, on a pas mal de lignes. Là-dedans, on a pas mal de lignes et de blocs. Là aussi. Mais en fait, vous savez quoi? Il y a beaucoup de lignes et de blocs dans ce DP. Donc, pour ceux qui aiment le confetti, on le retrouve là-dedans, là-dedans. Et je le remarque aussi ici. Un petit peu dans, dans le chandelier qui est là. Et j'en retrouve aussi dans les fleurs. Le reste, c'est que des lignes et des blocs. Voilà, comme ça, je ne vous dis pas à chaque fois. Donc, ouais, confetti là-dedans, là-dedans, dans le chandelier, dans la tour Eiffel, et là. Et le reste, c'est pas mal que des lignes. Des lignes ou des blocs. Donc, c'est un mélange des deux, mais je dirais plus des lignes et du bloc que du confetti. Donc, voilà pour ce DP qui est juste incroyable. Moi, je l'adore. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez là, mais ouais. J'ai vraiment hâte de travailler dessus, du coup. Bon, on va regarder les diamants. Allez, on va passer. Donc, je tourne la toile. Et alors, les diamants, ils sont là. Je vous ai montré tout à l'heure qu'on a le numéro de modèle et le nom sur la petite étiquette qui est juste là. Alors là, il faut que je refasse une mise au point. C'est ça le truc avec des grandes toiles. Ben, on change beaucoup. Donc, vous voyez, numéro de modèle et le nom de la toile. Donc, j'ouvre ça et on regarde les diamants ensemble. Alors, au niveau déjà de toutes les couleurs, pour ceux qui aiment les regarder comme ça, ça brille même dans le sac. Les diamants, ils brillent dans le sac. Regardez cette belle palette de couleurs. C'est trop beau. Là, on voit beaucoup de roses. Voilà. Donc, ce que je fais généralement, c'est que je défais les ribambelles. Et je vous les montre un après l'autre, les DMC. Enfin, les uns après les autres, je devrais dire. Je ne sais pas combien on a de ribambelles dans ce kit. Il y en a une là. Une là. Une là. Je crois qu'il va en avoir comme 4 ou 5 peut-être. Voilà, ouais, j'en vois une là et une là en fait. Elles sont immenses. Voilà. Et là, je vois quelques AB. Ah, j'ai pas parlé des AB tout à l'heure. J'ai complètement zappé, excusez-moi. Alors, combien on a de AB dans ce kit? Alors, AB, c'est pour Aurore Boréale, déjà. Et ce sont les DMC qui sont en dessous de 150. Donc là, c'est tout ce qui va être en dessous de 152. On n'a pas de 150, donc on va avoir un blanc, un bleu, un vert, un jaune et un rouge. Donc vous allez voir, c'est une couche qu'ils apposent à la surface du diamant. Une couche nacrée. C'est très beau en fait. Donc là, il y en a un, il y a le 129. On va le regarder tout à l'heure. Et j'en ai vu d'autres aussi là. Donc là, il y a le 141. Voilà, j'enlève ça. Là, il y a le vert en plus petite quantité. Rouge et bleu. Et je devrais avoir un rouge et un bleu aussi. Ah, le bleu, il est là. Ouais. Le rouge est là. Et le bleu est là, pardon. Et le rouge, ah ben, il est là. Ah, voilà. Super. Donc, j'ai enlevé tous les AB. On va les regarder tout à l'heure. Et je pense pas qu'il y avait de diamants spéciaux dans celui-là, non? Les diamants spéciaux, généralement, ils sont listés à la fin. Mais là, il n'y en a pas. Vous voyez, ça se termine avec le 3861. Donc, on va passer à travers les ribambelles pour regarder les couleurs. Alors, les diamants avec Diamond Art Club, c'est de la résine, je tiens à le préciser. Et ce sont des diamants de très bonne qualité. Vous voyez, on a des endos qui sont bien plats. Les bords sont bien... ils sont bien coupés, en fait. Il n'y a pas de truc qui dépasse. Et ils ont beaucoup de facettes. Ça, c'est quoi? C'est une autre couleur, ça. Ouais, à l'œil nu, c'est proche. Quand... Ben ouais, même comme ça, c'est proche. Mais ouais, donc voilà, je vous montre les endos. Vous allez toujours avoir des déchets. Il n'y a pas tous les diamants qui vont être parfaits. Ça, c'est tout à fait normal. Mais si vous n'en avez pas assez, contactez Diamond Art Club et ils vont pouvoir vous aider. Donc voilà, ça, c'est au niveau de la qualité. Et on va regarder les DMC. Donc, on a du 3803, du 918, 743, 3834. On a deux sacs de celui-là.
550. On a deux sacs. Non, on a trois sacs. Trois gros sacs de 550. Deux sacs de 154. 758. 3371, on a trois sacs. 915, on a deux sacs. 341, 160, 754 et 355. Dans cette ribambelle, on a du 3836, 898, 402 en double ou en triple? En triple. 3743, 3776, on l'a en double. 930, ça, on l'a en double. Ensuite, 327, on l'a en triple. 3830, 161, 3835, on l'a en double celui-là. Non, on l'a en triple. Mon Dieu, on a des gros sacs. Et 803, là-dedans, il devait y avoir un AB, c'est pour ça que j'ai coupé. Donc, j'ai du 904 et du 301. 947, 3722, 445, 798, 920, 3064, 3857, on a deux sacs. 3041, on a deux sacs. 741, deux sacs de 159. 740, 3778, on a deux sacs. Et ensuite, pour terminer avec cette ribambelle, on a du 3727. C'est très beau, ça. Je sais pas si j'ai déjà eu ce DMC. Il est trop beau, ce rose. Ensuite, dans cette ribambelle, on a du 3837, 891. C'est magnifique, les couleurs là-dedans. 742, 720, 995 et 814. Regardez ça. C'est beau, hein? Ouh là là, regardez là-dedans, on a de jolies roses. Regardez toutes les couleurs qu'on a là. C'est beau. Alors, on a du 3800, pardon, 56, 893, 3750, 319, 632, 3805, 312, 842, 210, 3607, 3772, 718 et 498. Les roses sont très beaux dans ce kit. Je dis ça parce que moi j'adore le rose en fait. C'est ma couleur préférée en DP. Et là, alors on termine avec des petites ribambelles. Je pense qu'il y avait des AB qui étaient attachées à celle-là. Mais elles sont plus petites parce que j'ai enlevé les AB. Donc on a du 3807, 3350, 543, 894, 208, 917 et 738. Et pour terminer, dans celle-là, on a... du 3861, 3766, 829, 152, 799, 963, 977 et 976. Voilà. Alors, pour les AB, ils sont là. Donc, rouge, bleu, jaune, blanc et vert. Oups, vous ne voyez pas tout là. Voilà. On a tout ça. Donc AB, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour Aurore Boréale. Et regardez la couche qu'ils mettent à la surface. Vous voyez, il y a plein de reflets différents. C'est trop beau en fait. On va voir comment ils sont placés sur la toile. Voilà pour le vert. Donc ça, c'est le 134. Le 141, c'est toujours du blanc. Il est beau, hein. Il y a beaucoup de rose en fait dans la couche. 129, c'est du jaune. Voilà, il est très délicat celui-là. Il est magnifique. Le 140, c'est du bleu. Il est beau, hein. Regardez comme ça brille. Hein. Ouais. Et le 107, c'est du rouge. Celui-là, il est magnifique aussi. Il y a beaucoup de jaune à la surface du AB. Donc voilà. Alors, je retourne la toile et on regarde le placement de cette diamante. Ok. Alors, on va aller avec l'ordre de la légende. Donc, le premier que j'ai sur la légende, c'est le 1. Le symbole 1 sur la toile et c'est le AB rouge. Donc, celui-là. Et on le retrouve dans les petites fleurs qui sont là, un petit peu. On le retrouve dans le bain, ça c'est mignon. On le retrouve aussi dans les parties rouges du bain, donc je suppose que ce sont des petites fleurs en fait qui flottent. Donc ça c'est mignon, et ça ne m'étonnerait pas qu'on en retrouve... Ouais,
On en voit là, ici. Il y en a ici aussi, dans cette partie rouge. Et j'en vois dans les fleurs, en fait. Ouais, il y en a dans les fleurs et il y en a même là. Donc voilà, ça c'est pour le 1. Le 2, c'est le 129. C'est le jaune, celui-là. Et je le vois dans les bougies. Donc je le vois dans cette bougie juste là. Sur vraiment le pourtour du livre. Donc ça, ça va être joli. Il y en a là. Là. Où est-ce qu'ils l'ont mis? Ah, il y en a un petit peu dans le chien. Il y en a dans son museau et dans sa tête. Ça, c'est mignon. Il y en a dans les bougies juste là aussi. J'en vois. Dans les lumières. Là. Là, sur le rebord. Il y en a dans les bougies là et là. Et il y en a dans les fleurs aussi. Et il y en a là-dedans. Donc, ouais, le 2, il y en a pas mal. Ensuite, le 3, le symbole 3 sur la toile, c'est le vert, celui-là, qui est super beau. Et on le retrouve dans le feuillage, en fait. Ici, ici, on le retrouve là. Je le vois un petit peu là aussi. Et le vert, oui, ben c'est ça, là-dedans aussi, là-dedans et là-dedans. Voilà pour ça. Ensuite, le 4, le symbole 4, pardon, c'est le bleu, c'est celui-là. Je pense que c'est ce qu'on a en plus petite quantité. Alors, où est-ce qu'on a du bleu? On a du bleu là, donc je me demande s'ils l'ont pas mis... Ouais, ils l'ont mis en plein centre là, en fait. Donc voilà. Dans ses ongles aussi, ils en ont mis. Ça, c'est mignon. Ouais, il y en a dans les ongles. Et est-ce que c'est tout? Je pense que oui, hein. À moins qu'ils en ont mis là-haut. Non, j'en vois pas là. J'en vois pas. Donc, j'en ai vu vraiment dans ça et dans ses ongles. Et le blanc, pour terminer. Donc, ça. Ça, c'est juste un point, en fait. Un point noir sur un fond blanc. Donc, vous voyez cette ligne-là? Ben, ça va être ce AB. Ce AB-là, pardon. Juste celui-là. Qui va être là. On l'a aussi sur le tour du verre de vin. Il y en a dans la flamme de la bougie. Il y en a un petit peu dans le pied, là, du verre. Où est-ce qu'ils en ont mis d'autres? Dans les flammes des bougies. Là, là, les bougies qui sont là aussi. Et on dirait que c'est tout. Ah, il y a un petit peu dans les fleurs, juste là. Donc voilà, ils ont vraiment bien utilisé les AB. Hein. Ils en ont mis, moi, où j'en aurais mis, en fait, dans les fleurs, dans ses ongles. C'est une super bonne idée, j'adore ça. C'est ça dans les bougies aussi, dans les fleurs. Moi, c'est exactement ce que j'aurais fait. Donc, je ne sais pas si je vais faire des substitutions dans ce DP. Pas sûr. Peut-être dans les pantoufles. Les pantoufles n'ont pas de AB. Donc, ça se pourrait que je rajoute des AB si j'en ai dans ces couleurs-là. Mais franchement, ouais, ils ont bien utilisé les AB sur cette toile. Qu'est-ce que vous pensez de cette image? Elle n'est pas trop belle? Est-ce que c'est quelque chose que vous prendriez sur le site? Ou pas? Moi, je l'adore. Moi, je l'adore. Donc, merci encore beaucoup, Damien Art Club. J'ai vraiment hâte de la faire, celle-là. Parce que, ouais, quand j'ai vu l'image, je me suis dit, ah ouais. Mais je m'en doutais qu'elle allait être très grande. Parce qu'avec tous les détails qu'on a dans cette toile, ouais. Mais ouais, donc voilà pour ce DP. Et comme d'habitude, ben, il y a le lien ou le code en barre d'infos. Là, c'est un code d'affiliation. Il vous donne 15% sur votre première commande. Et si vous l'utilisez, ben, en contrepartie, moi, je touche un petit peu d'argent. Donc voilà. Et c'est ça. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont utilisé le code jusqu'à présent. Si jamais vous avez des questions sur ce kit, n'hésitez pas de les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo. Et j'essaierai de vous aider. Et c'est ça, donc ouais, sur ce, moi je vous laisse. J'espère que ce unboxing vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé et à bientôt. Bye bye!